bout d'un moment, quand tu vois que c'est trop en peur, trop utilisé, tu as un mal-être, c'est toi qui cherches. Ouais. Tu cherches à que tu ne connais pas. Parce que ça, tu connais maintenant. Oui, et quand tu connais, tu progresses pour aller au-delà. Pour aller chercher ce que tu ne connais pas. Pour aller expérimenter ce que tu ne connais pas. Ce que tu connais pas, tu sais pas vraiment c'est quoi. Mais tu sais ce que tu n'aimes pas. Oui. Il y a cette chose-là qui va te pousser vers... Oui, tu refuses. En fait, ce qui te divise. Voilà. C'est-à-dire que la pensée, dans ta tête, elle est divisée. Tu vis avec ça. Tout le temps, constamment, constamment. Elle est divisée, 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 divisée. Cette division crée en toi des conflits. Entre le bien, entre le mal, entre j'aime, j'aime plus, je veux pas, je t'aime aujourd'hui, je te haïs demain. Toute la pensée en toi fabrique ce conflit. Et dans le cheminement de ta relation avec l'autre, ben qu'est-ce que tu cherches? C'est tu cherches la paix. On veut tous avoir le bonheur. On cherche tous la même chose. Grand, petit, gras, gros, maigre. Et cette démarche dans la relation nous fait savoir, nous donne une clarté de plus en plus de ce qu'on veut vraiment. Oui. Et quand tu peux identifier ce qu'il y a autour de toi à cette beauté que tu cherches, eh bien tu abandonnes le conflit. Oui, c'est ce qui fait de la sérénité. Voilà. Oui. Parce que tu abandonnes les émotions. Les émotions ne viennent plus puisque tu as abandonné le conflit et la division qui fabrique ces émotions-là. Oui, oui. Donc ces émotions, de plus en plus, elles sont inexistantes. Tu vois, tous les chamailleries que tu as avant, tu n'as plus aujourd'hui. Tu ne chamailles plus sur la couleur du parquet. Lui, il veut rouge, moi je veux jaune. Raillerie. Ridicule. Tu comprends? Mais c'est l'ego. C'est ce que tu cherches toujours. Depuis là, tout ton être est en train de si tu veux, d'expérimenter la vie. Expérimenter la relation. Et dans toute cette démarche-là, il y a un truc qui éclore. Pas pour tout le monde. Elle éclore seulement si tu es passionné par cette chose que tu as vue un jour. Être là, cette sérénité que tu veux, que tu ne veux pas ce que tu n'aimes pas. Tu sais ce que tu n'aimes pas, mais tu ne sais pas trop ce que tu veux. Et tu as une passion pour ce que tu veux. Cette passion-là, si tu es embarqué complètement dans la petite vie carrée, bien plate, bien arrangée, avec tout ton confort, ben tu n'auras pas cette passion. Oui, tu n'es pas stimulé pour aller la chercher. Voilà. Donc, tu n'attires rien à toi. Tu attires le statu quo. Les choses sont comme ça, d'habitude, comme d'habitude. La petite tradition, le petit train-train, la petite vie de couple... On se marie et puis on meurt avec la canne tous les deux. Mais tout est bon, c'est ok. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Mais ce petit truc-là, il est endormi. Il s'est endormi. Et... Il s'est endormi, mais au fond de toi, tu comprends bien quand même, même si ça va bien en surface, c'est pas ça. Non, mais comme tu vas chercher du réconfort, oui, donc cette chose-là, elle va être, si tu veux, tu vas identifier cette chose-là, qui est cherchée, au plaisir. Et tu dis que tout va bien. Oui, voilà, c'est ça qui va... Voilà. Et ça annule cette... Ça va être la solution. Voilà. Et ça annule cette recherche que tu fais au plus profond de toi. Ça annule cette recherche-là, cette passion que tu as. Tu vois? Tu n'es plus dans cette situation d'insatisfait. Puisque ton esprit s'est identifié à la satisfaction du plaisir. Et pour lui, c'est... Voilà. Ah oui, ben c'est bon. C'est réglé. Tu vois? Donc si tu fais ça, ben tu es pris dedans, et 99% de la population mondiale, c'est ce qui se passe. Je dis toujours 99%, mais j'ose espérer un peu plus. Un peu moins, ouais. Oui. J'ose espérer que il y a beaucoup plus que ça. Mais vu ce que tu vois,
la masse générale. Comment ça se produit? Comme ça? Hein? Oui, oui. Même toi? Oui, quand tu es embarqué. Oui. On a oublié tout ça. Tu vois, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus rien. Moi, avec le passé, avec l'identification. Et est-ce que cette chose-là peut naître d'un coup, peut naître complètement, sans plus jamais aller chercher ce que tu ne veux plus vivre, parce que tu sais absolument ce que tu as. Ce serait bien. Alors, c'est ça. Ce serait c'est bien ça. Que ça naisse. C'est l'éveil. Et puis, c'est ça l'éveil, c'est que tu ne cherches plus à savoir ce que tu n'aimes pas. Tu ne cherches plus de la même manière. Tu n'es plus dans l'optique de faire des expériences pour savoir ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Tu n'es plus dans cette optique-là. Tu vis la vie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te porter. Pour te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour te... un miroir. Tu n'as plus besoin de te regarder dans la glace. Parce que quand tu te regardes dans la glace, c'est pourquoi? C'est pour savoir. Pour trouver les défauts, ce qui ne va pas. Oui, pour trouver ce que tu es, pour comprendre. Une fois que tu as compris, le miroir fait rien. Donc, une fois que tu n'as plus besoin de savoir ce que tu n'es pas, mais que tu as arrêté de t'identifier à ce que tu devrais être, et que tu es ce que tu es, tu as accepté ce que tu es, cette chose-là, que tu as toujours, toute ta vie, en éveil, en attente, en demande, en passion, en émerveillement, en doute, en questionnement. Je dirais, donne-moi toute cette chose-là que tu voulais avoir, elle est réelle. Elle est réveillée, elle est là. Voilà. Parce que l'entité qui était ça, elle s'était identifiée à la vie qu'elle menait en couple, avec les relations. Tu vois. Et les relations t'a appris, que ce que tu es, c'est cette petite chose au fond, cette joie-là, cette joie que tu as, que tu ne savais pas. Tu cherchais toute ta vie. Donc tu as arrêté de t'identifier, cette joie, elle sort. Et cet éveil-là, ça te donne une assurance que tu n'as plus à rien à espérer de personne. Rien à en retirer des relations. Rien à retirer du monde qui t'entoure. Oui, oui, mais même si tu n'as rien à en retirer, à attendre ou quoi que ce soit, tu es quand même dedans et tu es tout ça. Tu es relation aussi. Oui, mais une relation sans image. Tu as fini avec de côtoyer l'image. Oui, oui, c'est plus d'image à image. Non, c'est tout. Si en face de toi il y a une image, tu peux rien. Mais tu sais que c'est faux. Mais par rapport à toi, les gens, ceux qui vont te rencontrer, avec qui tu vas côtoyer, ils ne pourront pas s'identifier. Parce que c'est un Bouddha, c'est un truc là-bas, moi je ne peux pas faire ça. Il est trop. Donc tu seras rejeté. L'image qu'ils ont de toi, ok, sera rejeté. Tu vois? Mais comme toi, tu n'as pas d'image. Parce que quand tu es rejeté, c'est l'image qui est blessée. Ouais, tu n'as pas d'image, tu n'es pas affecté. Exactement. Oui. Hein? Donc, tu n'es pas affecté par qui que ce soit. Quoi que ce soit. Tu vois? Et tu es pur et simplement heureux d'être ce que tu es, qui est l'authentique toi. Et cette authenticité-là, ne perpétue pas le désordre. Oui. Parce qu'il est lui-même l'ordre. Il est devenu ordre. Donc le désordre n'est pas propagé. Oui. Oui. N'est pas alimenté. Par ses actions, ses agissements, par ses pensées, par l'identification qu'il a avec les choses.
puisqu'il n'est identifié à rien. C'est pour ça que c'est important de voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on attend. Dès que tu as toutes ces pensées en toi, là, eh bien, il y a de l'identification. Je voudrais savoir c'est quoi de ne pas faire d'image, ne pas se monter une image. L'image vient seulement quand il y a des pensées. Et quand ces pensées sont, on dit, s'identifie à ces pensées, au concept. Donc on a une image. Oui, tu la fabriques en fonction de... Oui. De tes pensées, de ce que tu es, de ce que tu crois que tu es. Tu crois et que tu veux aussi être. Oui, ben, si tu crois, si tu crois, ça veut dire que tu veux. Hein? Ça veut dire que tu as un désir. Tu as un désir d'exister de telle sorte, de telle sorte. Tu veux être riche, tu veux être maigre, grand, belle, tout ça. Donc tu veux t'identifier à ce concept. Donc, quand tu fais ça, c'est sûr que tu es identifié à tout ça. Tu es incapable de regarder, de percevoir la beauté. Oui, parce que tu es redevenu... Tu t'es intégré à nouveau dans le passé, dans la mémoire de tout ce qui a été et tout ce qui sera, tout ce qui deviendra, ce qui a été conçu, tout ce qui a été rabâché, tout ce qui a été conclu, toutes les idées qui sont sur la place, là. Ben, tu seras identifié à tout ça. Et l'idée, c'est d'aller dans une autre dimension. L'esprit ne vit pas dans cette dimension-là. Elle est dans une autre dimension, l'esprit. Elle est hors de tout ça. Pour être hors de tout ça, justement, ben, il ne faut pas se créer d'image. Oui, l'esprit n'est pas image. Donc, ben oui, pas... il faut qu'il soit lui-même. Il faut qu'il soit authentique, vrai, seul, accompagné de aucun concept, aucune béquille qui lui dise comment il devrait être, qui lui donne du réconfort à la peur d'être seul. Hein? Parce que quand tu as une image, tu es quelque chose. Tu es valorisé. Non? Bien sûr. Oui, oui. Ton fils, il vient te voir, il dit « Maman, je t'aime, maman. » C'est plaisir. Oui. Hein? Tu es valorisé. Mais si tu t'identifies à cette valorisation-là, ben ton esprit sera cette valorisation. Tu vas devenir une mère et en tout cas, tu vas chercher à être la mère idéale. Et c'est quoi la mère idéale? Hein? C'est un concept. C'est un concept de comment tu devrais exister. Ça n'existe pas. Concept n'existe pas. C'est des histoires qui se racontent. C'est des histoires qui n'existent pas. Tu sais, les histoires, quand tu racontes une histoire, l'histoire en elle-même... Si c'est une histoire, c'est qu'elle n'est pas vraie. Exactement, c'est une histoire. Oui. Hein? Voilà. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de réalité dedans. Et c'est avec ça que tu t'identifies. Histoire. Paquet d'histoires, paquet de concepts. Et on dit avec ça, je vais changer le monde. Ah, le mauvais là-bas, lui, je vais apprendre lui comment il faut faire pour être bon. Comment on est ridicule. La pensée, elle te fait croire que tu as le pouvoir de l'illusion. Elle t'a donné l'illusion que tu peux faire ça et tu vas arranger les choses et tu le fais et, mais jamais rien ne change. Jamais. Regarde depuis combien de temps on est en train d'essayer de changer le monde.